Bonsoir tout le monde, jeudi à ce mercredi 1er d'août 2018 et bienvenue dans le journal Mitan Journée. Nous avons un journal là, qui information qui concerne les conditions temps, l'enmea et c'est pour ça que nous recevons un collaborateur, Wilner Polidor. Bonsoir Wilner. Merci parce que toujours branché télévision nationale d'Haïti et pour prévision météorologique là et on a comme situation et sous bassin Caraïbes là avec sous océan Atlantique là. Nous toujours gagnons en zone de haute pression qui a influencé conditions météorologiques là au cours de journée. Cela veut dire que nous avons gagné autant qu'a gagné vent avec soleil sous pays d'Haïti au cours de journée, mais en fin d'après-midi et en soirée, nous avons gagné un creux en altitude qui trouvait lié au sud-ouest de l'île d'Haïti et Crosa, la Maria avec sa nouvelle humidité qui est en bas souche qui a provoqué quelques arrêts d'avis sous plusieurs départements et j'en ai dit là, il y a plusieurs départements qui sont concernés par l'activité de la pisario, non seulement en soirée et au cours de nuit. J'en ai la région nord avec département Artibonite avec centre concerné par l'activité de la pio et toute région sud là encore à Pamba quelques averses à pis, mais faut que nous disions c'est vraiment quelques averses isolées avec quelques coups de l'orage, mais des fois capable de modérer. Cela veut dire que ce n'est pas gogo la pluie, mais on a senti quelques tilaouzaïs sous département nous saute cité Layo. Pour capitale avec zone qui environ le nôtre, capitale qui a vu de beau temps en journée avec soleil pendant journée et puis vent qui a venté et vent ça a soufflé très fort sous capitale avec zone qui environ le nôtre, mais en soirée effet local, cela veut dire brise de mer avec réchauffement pendant journée capable de provoquer quelques averses à pied surtout sous quartier qui trouvé au sud de capitale pour le moins un pays d'Haïti et en ce sens nous capable d'atteindre avec quelques gouttes de la vie, même si ce n'est pas tout quartier, mais quartier qui est au sud de Port-au-Prince, qui a gagné quelques avec la pluie. Température aujourd'hui, elle a monté jusqu'à 35 degrés, non seulement elle a fait chaud, elle a senti effet de chaleur, et pendant le temps, c'est 24 degrés Celsius, elle a descendu. Encore au cours de nuit, elle a senti effet de chaleur. La mer a non seulement agité sous côte sud et côte nord pays d'Haïti, nous avons des capitaines de précaution avec prudence parce que vent cap vent est capable de compliquer la navigation sous la mer. Nous avons en pile précaution pendant que il apprend le large et pour parler à sur le migrant, sur la couche aujourd'hui à 7h24 et la levée de matin à 6h28. Mesdames, Messieurs, merci pour fêter nous avec attention. Nous nous avons croisé demain pour notre part. Jean Météo, bonne journée ou bonne soirée à chacun de vous. Je remercie à Wilner Polidor et bon mercredi. Information yo a continué côté président public là Jovenel Moïse visité direction générale police nationale là journée mardi à dans quartier général institution dans Pétionville chef l'état renouvelé détermination pour accompagner au état major police là dans toute j'effort la fait pour tablir l'ordre et puis remplir mission qui s'est protégé ak servi n'a plutôt suivi un reportage avec Sabine Jean-Étienne et puis Jean-Naël Duvernay. C'est en visite pour permettre président républicain Jovenel Moïse assurer le gain en plus bon coordination entre différentes entités qu'il a pour établir bon climat dans le pays. Pendant un bon moment, Chita parlé avec le directeur général PNH là, président République là informé de différents besoins institutions, hein, et spécialement conditions de travail agent PNH. Nous parler de affaires conditions de travail policiers qui ont pile problème. Moi, je connais que le Premier ministre démissionnaire là, il font gros effort avec la direction générale policière qui permet une quantité de mobilité de théorie. Nous parlons discipliner au dehors. Et dans la relation avec Taïwan, nous parlons de ça, soit faire des véhicules que Taïwan d'ici peut-être un mois pour les policiers qui peuvent permettre que dans le niveau. Unité spécialisée, mobilité arrive plus parce que le temps de réaction, véhicule qui pour venir, qui pour permettre que réaction au fait, déjà parlé de ça avec moi, qui dit que ça, c'est extrêmement important, même le effort qui fait pendant les derniers jours, qui permet que les policiers gagnent certains machines, motocyclettes qui permettent de bouger, mais en fait, nous avons travaillé pour que Jean-Jules Dili, pour nous, une police qui est capable de gagner, qui est en capacité de gagner problème pour intervenir en temps réel.
Nous parlons d'entrer l'école là, nous connaissons ça déjà. Policiers, c'est presque 16 000. Presque 16 000, ça veut dire l'école va rentrer, il y a un parent, il y a un policier qui papa, il y a un policier qui maman. Ça veut dire nous parlons de ça. Problème assurance qui est dans le niveau policier, c'est un problème grave. Si un policier a un problème, je dis avec lui, il est dans l'hôpital, moi-même, je ne pas connaître, si je ne pas venir là, je ne pas connaître. Le policier arrive dans l'hôpital, il faut se payer d'avance. C'est vraiment grave. C'est des métiers de la patrie que nous avons fait, c'est des métiers ingrats. Comment par exemple un policier vient nous blesser, et puis il est arrivé dans l'hôpital, si nous parlons de la poursuite, nous ne devons pas prendre soin, nous parlons de ça avec des gilets. Tout ça, c'est des lourdes responsabilités que le gouvernement a venu, il parle bien ça, comme il parle bien vite. Pour le résoudre, parce que j'en veux pas ça, c'est ça où il est en créole, c'est des bagages qui vont attendre. Tout de suite après, Chita parlé ça, chef l'État a profité de visiter base installation technique à communication PNH là, qui trouvait en dans même local là. Chef l'État a dit, là va accompagner l'institution la police là, pour permettre à jour à nouvelles technologies information à communication yo, qui est important en pile dans la lutte contre délinquance et criminalité. J'aimerais volonté manifeste ça avec moi, dans l'équipe ça. Moi, pour nous faire technologie d'une chita, quand nous avons son police, moi, je dis, je suis fier de nous. Je suis fier de vous, comme tout ça, que ça me se voit là, moi, impressionné, pour moi, que je vous dis, technologie, c'est pour la police qui a de problèmes de capacité qui viennent, même dans l'Internet, parce que, en fait, pays, vous. Bon problème de 4e génération à 3e génération, et eux-mêmes ils souffrent de problème de 4e génération. Mais important, nous-mêmes, au plus haut niveau de l'État, pour nous résoudre le problème de 4e génération, pour que le peuple a regardé, bien comprendre qui ça qui 4e génération, c'est que là nous comptons dans un téléphone 2G, 3G, 4G. Avec en Haïti, je dis nous dans 3G, nous testons 4G, mais l'État avec compagnie téléphonique, compagnie qui va internet pour que j'aime Chita pour arriver à mettre les pays sur 4G légalement. Et nous parlons de travailler sur ça pour que les pays aient 4G, parce que moi, nécessité, par exemple, dans le travail qu'on fait dans le niveau policier, 4G sont nécessité pour eux, parce que 4G c'est ce qui peut permettre qu'il y ait une qualité internet qu'ils ont besoin. Nous faisons travailler aujourd'hui. Désormais, c'est un vaste mouvement exécutif la lancé à la police nationale là pour accompagner différentes unités dans le travail à faire souterrain. Merci Sabine et Jean-Naël qui étaient présents dans la visite du président de la République, Jovenel Moïse, qui fait dans la direction générale police nationale dans Pétionville. Président Chambre député à Garibodo réagit sous l'aide tout l'ouvri, livré par le président de la République, Jovenel Moïse, sous conjoncti politique PIA. Député Garibodo félicite chef l'État pour ses consultations entamées avec différents secteurs organisés dans le PIA sous choix de l'autre premier ministre. De l'autre côté, président Chambre député a dit qu'il souhaitait, dans Joussayo, président de la République, là, Jovenel Moïse, annoncer non premier ministre, l'y choisir. Je vais vous suivre un extrait dans le micro Moïse Confident avec Fedner Confident. Ça fait pratiquement 3 semaines depuis que le président de la République est en train de faire des consultations que nous avons saluées, parce qu'il faut quand même encourager le dialogue et la concertation dans le contexte politique actuel. Donc, le président, pratiquement, il prend des initiatives pour rencontrer les secteurs vitaux de la vie nationale. C'est une bonne chose. Cependant, nous pensons, par rapport à la conjoncture actuelle, nous connaissons le 3 septembre, c'est la rentrée des classes. Donc, nous, ça se passe dans le pays là. Moi, ouais, par exemple, les nerfs sont à fleur de peau. Nous pensons, fort de tout cela, le président de la République doit et finalement et pouvoir et jeter son dévolu sur une femme ou bien un garçon qui doit premier ministre dans le contexte là, pourvu que Mounsa sont monde qui respectait tous les critères constitutionnels. Donc nous-mêmes, c'est la raison pour laquelle nous avons fait une lettre ouverte au président de la République pour nous et
pas ballon ultimatum. En plus, le monde pense que c'est ultimatum. Non, les présidents sont partenaires liés. Peut-être qu'il y a une lecture parle de situation au niveau de la Chambre des députés qui sont l'autre pouvoir. Nous avons l'autre lecture de situation. Mais quand même, nous pensons qu'il était nécessaire pour le président dialoguer avec le secteur vitaux de la vie nationale. Mais après 3 semaines, je pense que Haïtien ça ou bien Haïtienne ça, qui est supposé premier ministre, non? Je pense qu'il faut que le président finisse par choisir pour qu'il ne commence par le gouvernement, pour qu'il ne commence à poser des problèmes d'ordre structurel. Parce que ce n'est ni le gouvernement, ni le premier ministre qui va changer la réalité à Kounia, mais ça va permettre que vous ayez des interfaces, ça va permettre que vous ayez des gens qui ont signé des contrats, peut-être avec les bailleurs du fonds de la communauté internationale, ou vous ayez des gens comme interface, je dis à qui a lancé un gros programme assainissement dans le quartier populaire pour nous résoudre le problème humanitaire là. Et ça qui est plus important, c'est préparer l'entrée des classes là. Donc nous déjà dans le mois d'août, faut que l'entrée des classes là, qui au 3 septembre, et les préparer pour c'est pas un monde qui pire zéro, pour c'est pas un monde qui mieux placé dans la société a seulement qui est capable de voir petit à l'école. Donc, je pense que il y a des chantiers qui pressent et le gouvernement démissionnaire qui a appliqué des affaires courantes, conseil des problèmes, il va pas résoudre, il va pas continuer avec le dialogue social là, parce que c'est un gouvernement qui n'inspire plus confiance. Donc, nous pensons que le président de la République là, supposé choisir un premier ministre pour que ça nous alerte l'opinion publique, non pas parce que nous passons même longueur de la président, non, nous pensons qu'il faut qu'il y ait un dialogue, cependant, et par rapport à la conjoncture, nous parler pour aucun monde penser qu'il y a des négociations ou bien des tractations qui ont fait à l'interne, que ce soit bon côté député ou bien sénateur, pour empêcher que le président choisisse. Marie Baudot, dans le micro, Fedmer Confident, avec Moïse Wilbridge. C'est comme vos premiers ministres après poursuivre. Dans le moment, l'État a visité le quartier général, police nationale, là, m'a dit 31 juillet, chef l'État, la population en garantie, non, premier ministre choisi à public avant longtemps. Nous allons suivre, il y a un bout dans la déclaration. Mais négociation n'est pas qu'à faire éternellement. C'est qu'il faut arriver et nous avons une conjoncture qui est extrêmement difficile. L'entrée des classes, là, c'est demain matin. Et décembre, tout c'est demain matin. Ça veut dire que nous avons entrée des classes, nous avons fin d'année qui est tout près. Et puis, vous avez une grosse décision qui pour faire, qui pour faire que stratégique avant le changement, qui c'est, il y a un plus gros espoir que le monde à travers le pays en matière d'infrastructure, pas l'infrastructure, mais pas l'infrastructure routière, infrastructure agricole, bien dans le pays, pour le faire pour le gouvernement. Et c'est pour ça, consultation, je suis sorti là, je pense que je vais réunir avec la fédération. J'ai rencontré avec la fédération magistrale hier, je vais rencontrer avec les paysans, mon association paysan. Et moi, je crois que ma dirige d'ici semaine, ça, non premier ministre, le peuple a connu parce que faut que le suspense a fini pour le peuple a connu, non premier ministre, pour que nous passions à l'autre page pour aller dans les aujourd'hui, négociation avec le Parlement et pour nous aller dans la formation du gouvernement. Mais je ne connais pas, mon premier ministre, c'est pour pas que je parce que le premier ministre, il faut que son monde qui a acheté par là, tout le monde, son monde qui l'a nommé, il n'est pas pour le bon groupe, il fait peur, il fait content. Bien bon groupe, il fait fâché, bon l'autre groupe, il fait content. Payant dans le carrefour côté nous, là nous, un carrefour extrêmement difficile. Si tu as parlé à vivre ensemble, c'est la donne nous. C'est pour ça que nous travaillons pour nous mettre au monde, dans la tête du gouvernement, qui sont monde, qui ne parle à tout le monde, au monde qui pas fait un groupe peur, qui pas fait un groupe content, mais au monde qui est là pour servir tout. Le dossier dans le journal sa commission économie et finance la République là organisé à Yemadia yon séance travail à gouverner Banque Centrale là Jean Badin Dubois sous budget rectificatif 2017-2018 là. Président commission économie et finance Sénat Jean-Hugo Bélizère expliqué rencontre ça à conseil BRH là entré dans cadre série analyse qu'a fait sous budget rectificatif 2017-2018 là. Sénateur Jean-Hugo Bélizère a annoncé commission
décision a bien pour rencontrer membre forum économique secteur privé à sous budget ça. N'a plutôt suivi un extrait de déclaration sénateur Jean-Hugo Bélizère dans micro Saint-Croix Paki avec Moïse Welwich. À partir du moment où on rencontre avec tout acteur, les gens ont beaucoup plus d'informations au niveau des scénarios là. Lorsque nous prenons des décisions de vote pour nous connaître, nous voter en connaissance de cause. Et à chaque fois que la population a pour poser des questions, et bien ça, nous sommes capables en mesure pour nous répondre aux questions. Donc, façon tout pour que les montants qui allouent et ou bien les allocations budgétaires, pour que nous capables bien connaître qui côté comme soutien et poste budgétaire. Pour connaître exactement raison fondamentale qui fait que tel poste ou bien tel ministère gagne beaucoup plus d'argent que tel autre, et bien ça permet de gagner beaucoup plus de transparence au niveau de redistribution de richesse nationale. Donc nous avons une occasion tout pour nous poser problème taxes qui viennent dans le pays, parce que nous connaissons et comme nous gagnons qui est dans le budget en termes de recettes, c'est à partir des taxes. Généralement, nous avons que pas suffisamment de moyens pour nous financer ensemble de dépenses qui sont obligatoires pour payer, pour nous faire investissement, et bien nous chita pour nous analyser tout ça avec le gouverneur de BRHA pour nous donner des informations, appréhension, compréhension des questions et pour permettre l'ensemble des sénateurs de beaucoup plus de lumière pour voter en façon pour que et tout parle en pile nous compte les clients après le budget pour que les ça nous portent lumière pour la population, les budgets après voter pour qu'ils ne parviennent pas constituer en facteur de crise au niveau société. C'est la même ligne à tout. Demain, si nous venons pour nous rencontrer avec Forum économique, nous venons pour nous rencontrer avec et association magistrat, association Kazek. Donc, bien que nous n'avons pas de budget rectificatif qui n'a pas un gros changement qui va venir là-dedans, budget vraiment qui va demander effectivement pour nous rencontrer à tout le monde, c'est le budget 2018-2019 que le gouvernement va gagner pour déposer et nous connaissons un problème pour le ministre. C'est ça qui fait nous tout encourager le président de la République pour faire choix ça le plus rapidement possible pour que nous autres au niveau du Sénat et au niveau du Parlement en général, pour que nous dotions le pays le plus rapidement d'un premier ministre, pour que le budget 2018-2019 soit déposé pour nous analyser, pour les outils qui sont importants pour permettre la société à fonctionner, pour permettre les gens toucher, les gens qui travaillent et qui augmentation des salaires pour gagner, en façon pour que nous-mêmes au niveau Sénat, pour que le budget soit voté le plus rapidement possible. Dans ce qui est pour la caravane changement, travail, aménagement à construction route qu'a fait dans la commune Camperin, faciliter citoyens dans la zone ça, mener activité. Bénéficiaires, remercier chef l'État qui fait infrastructure routière une priorité dans le cadre caravane changement. Anne-Marguerite Auguste a présenté nous un reportage. Lévi, Matinière, Messan, La Porte, Bas-Camperin, ces différents quartiers qui bénéficient construction et aménagement divers tronçons routes dans quatre passages caravane changement dans le Grand Sud là. Habitants zone Sayo saluent engagement chef l'État qui croit développement réel là doit passer dans section communale et dans ville provinciale. Habitants ont expliqué mauvaise situation yo te kon vive avant réalisation travail dans route yo. Poussière, la boule et la pluie tombée te kon la cause yo trape yon se rivière maladie. Route sa yo ki fait d'après bénéficiaires yo améliorer condition la vie yo permet activité économique yo reprendre et puis bay Camperin yon l'autre visage. Le zone n'a pas de quoi asphalter. Li te très laid. Ça veut dire que pour ta sorti en bacan pour al bananier la prise, ça veut dire que c'était un centre de poussière. Ça veut dire que dans un moment quand on a parlé là on a parlé là comme ça. Tellement de poussière bay yo laid. Donc, pas de monde qui est capable de dire que je ne veux dire, je ne suis pas bénéficier de ça. Et ça veut dire que je ne veux dire, je venais passer de haut niveau en haut niveau pour camper. Nous sommes content avec le président Jovenel Moïse qui a bon service. Ça, c'est, nous avons souffert en pile. Depuis longtemps, nous avons camper, nous avons mal au jour. Je m'appelais, nous avons dit, nous camper pour que je me fasse. Mais je ne veux dire, nous avons dit, bon Dieu, merci en pile. Et bon Dieu, a toujours protégé mes dans tout le travail après vous. Parce que les bonnes routes camper. Avec les caravanes de changement, qui déposent un changement au niveau de route là. Parce que nous avons des fois, c'est qu'on a problème avec poussière là. Mais cette fois-ci, que tout le monde campait dans la fête Sainte-Anne et le monde entier dans la fête Sainte-Anne et les ovinis au genou l'autre couleur. Les gens qui sont venus là, les années, je vais payer ma machine de vin là, tout j'ai besoin de poussière. Mais pour qu'on y a là,
Pour une là, on va en poussière, on va en un grand changement qui s'est ouvert aux environs de Capérin. Population Capérin qui bénéficie de travail Sayo dans le cadre de caravane changement, pas suspendre, remercier le président Jovenel Moïse qui comprend le besoin et la nécessité pour prendre en compte la situation de monde qui vivent dans la zone reculée. L'elle prend décision, mettez accent sur le problème commune à la section communale en dedans pays a fait face dans le cadre de caravane changement. Merci Anne Marguerite Auguste. Toujours sous même dossier, un travail endiguement a commencé dans la rivière Bethel, 4e section commune Cabaret. Travail ça a pralé des populations dans zone ça, ce qui les sans trop gros difficultés pendant saison cyclone. Non. Travail ça a cap déroulé sous supervision délégation arrondissement à Kayé, entré dans le cadre caravane changement. Parlant Delphine, Abdino plus dans un reportage. Dans l'année 2007, communauté dans 4e section Bethel a subi un pile pète pendant passage gros ouragan sous département l'Ouest là. Depuis le ça, c'est un calvaire pour population dans zone non circulée à cause de la rivière qui t'a écrasé route là. Dans cadre caravane changement, ministère agriculture a travaillé pour faire endiguement toute rivière dans pays là, ça qui c'est première phase projet pour mettre rivière en place yo parmi yo rivière Bethel d'après ingénieur responsable travail ça. Travail routine du ministère agriculture lié. Travail ça, c'est travail ministère a été qu'on fait, mais avec changement, nouveau gouvernement Jovenel là, il est venu avec une stratégie, il dit caravane, changement. Le caravane, changement ça, le rôle ministère de l'Agriculture, c'est maîtriser de l'eau à l'intérieur de les rivières, dans toutes les rivières, dans les communes, dans le département de l'Ouest là. Le travail là, il est dans l'Ouest là. Mais Bethel n'a venu faire 10 jours de travail pour nous diguer rivière Bethel. Pour autorité dans zone là, travail ça yo ta doit rendre route ça plus praticable. Dans sens ça, magistrat en après cartel cabaret a dit li pral travail dans collaboration serrée avec tout responsable pour permettre travail s'il arrive dans bout. Il va la gain deux plans la donne, c'est colmaté Belgique et deuxièmement pour yo ta faire gabion yo. Je pense que c'est un point qui est très important pour le monde quatrième parce que route ça qui coupé ça a obligé permettre que monde yo pas évacuer gens que te kon évacuer dans activité ou même moto pas de passer là. Dixième monde dans population remercier autorité pour travail si là, yo dit qu'il t'a améliorer condition vie pour les monde ak motocyclette besoin circuler dans zone là pour aller dans l'autre section communale tant kou Kamicho, Zorangé et même Kazal. Féliciter le gouvernement spécialement président Jovenel qui pensait avec nous Bethel parce que Bethel c'est un côté nous pas aucun gouvernement qui passait qui était pensé ensemble avec nous. Depuis après 2007, les rivières ça a été descendu. Il était sur un pile monde. Alors qu'on y a là, nous venons sur ce côté que nous venons pas gagner route, moto pas qu'à passer, moun paysan yo pas qu'à et pas gagner moyen pour transporter chariot à la marché. Avec ça, c'était une grosse difficulté pour nous. Avec nous, ça tient compte en pile pour passer, pour efforcer que président Jovenel Voye Caravane vient visiter nous. Rivière ça pour moi, c'est la plus grosse cicatrice qui gagne dans la 4e section Bethel. Depuis 2007, te gon inondation te passé Bethel. Côté que te gagne 83 petits bébés qui te mouri et 150 grands monde. En 2008 encore, gagne 300 petits monde. Côté magistrat Will Thomas te enterré dans le cabaret. Et depuis là, l'État haïtien pas de chambre, tout président qui passait, tout ça nous fait écrit, il pas de chambre répondre à besoin nous boy ici. Je ne sais pas qui nous a fait ça, comment remercier le gouvernement, merci, dès qu'il travaille ça, il a remis nos journées aujourd'hui. Parce que pour nous-mêmes, nous sommes sentis vraiment humiliés par rapport à des routes, par rapport à des paysans, parce que les nappes transportées, aussi, surtout les fonds serrés, c'était un gros problème, une grosse difficulté pour nous arriver à ce plat-là. La population dans la 4e section Bethel a confronté plusieurs autres gros problèmes, tant que le centre de santé, l'école, le centre professionnel. Pour les gens dans la zone si là, soyez ces jeunes plus encadrement dans les autorités, yo, yon manière pour conditions de vie changer. L'autre point dans le journal là, membre Fédération nationale magistrat haïtien, FENAM, par explication, m'a dit 31 juillet, sous rencontre qui était gagnée à président République là, Jovenel Moïse, dans la date 30 juillet,
pour choisir un nouveau premier ministre et former un autre gouvernement. Président Fenamnan Jude Edouard Pierre proposé pour gagner un premier ministre rassemblé qui prend en considération et revendication tout secteur dans vie nationale là. Magistrat Jude Edouard Pierre proposé tout création un nouveau ministère qui prend en charge collectivité yo dans l'idée pour faciliter yo rempli fonction yo puis bien. N'a plutôt suivi un extrait dans micro Lunel Jean-Louis. Volonté du président, mes profils nous pensons qu'à aider le pays à avancer dans le choix au premier ministre. Premièrement, c'est un premier ministre qui a expérience dans l'État. Au monde, il a une connaissance de l'administration publique là parce que là, on ne peut le diriger comme premier ministre. Il n'y a pas qu'à inexpérimenté. C'est-à-dire qu'il faut que le monde ait une connaissance du milieu administratif public. Il faut que ce soit un monde qui, que parti opposition, que parti politique, est bien capable d'entendre qu'à discuter avec elle. Parce que je dis, il n'y a personne qui ne peut penser qu'à diriger le pays d'Haïti pour col. Donc c'est une obligation. Hein. C'est une obligation que le président attendait, qu'il choisisse un premier ministre, et bien, qui est capable de discuter avec le parti politique, avec l'opposition, hein, qui est une force démocratique. Démocratique tout et que vous obligez de composer avec elle parce que c'est pas seulement ce qui supposait une sensibilité assez significative sur la question de fiscalisation. L'autre point que nous destinons à l'ancien président, c'est vraiment un point ça qui est censé point d'ancrage pour nous, c'est décomposition et bien ministère intégré en deux ministères. Nous proposer et FENAM entendre continuer mener débat. Ajouter des barres bien, pendant tout le reste du mandat pour le ministère intérieur décomposé en deux ministères. Nous dit le président ça ouvertement que par rapport à ce ministère intérieur a fonctionné pendant la dernière année, par rapport à traitement qu'a baissé sur la collectivité, par rapport à l'importance du ministère intérieur gagné comme ministère régalien pour l'État du gouvernement, nous proposer que il y a un ministère spécial qui est associé à la décentralisation, à développement local. L'après le ministère des collectivités territoriales et du développement local qui a en charge du pilotage de la décentralisation en Haïti pour le compte du président, pour le compte du gouvernement, pour le compte des citoyens. Je dis à Guéméry qui n'a pas gagné côté pour magistrats et fonctionnaires. Guéméry qui n'a pas gagné, eh bien, Taille, qui n'a pas gagné hôtel de ville, qui n'a pas gagné bureau. Les casettes qui n'ont pas un bureau, je dis à dans le pays, alors que alors nous, nous c'est pas un management opérationnel qui fait de collectivité. Trop de questions politiques discutées dans l'environnement ministère, ou des questions d'immigration, sécurité intérieure, pile bon sujet qui fait partie des prérogatives de l'État, qui n'est pas des prérogatives de collectivité. Donc on n'a pas besoin d'associer collectivité à ministère intérieur aujourd'hui. C'est accorder le privilège aux élus de la République. Kazek, Azek, délégué de ville et maire, bon ministère totalement détaché de l'autre question qui occupait la question de décentralisation. Voilà, c'était quelques propositions président Fenamnan Jude Edouard Pierre. Responsable projet justice secteur Saint-Tenining programme JSSP remettre week-end passé à prime by gagnant deuxième édition concours reportage investigation dans secteur justice là. C'est Azen Moril, Gardi Saint-Louis avec Marc Evanson Lebrun, trois gagnants premier prix dans catégorie ont été représentés à Isaïus Aurelius Abdinouplis dans un compte rendu. Reportage texte, audio et vidéo, c'est sous trois catégories ça yo. J'ai eu à te pour travail. Sous une dizaine de reportages qui ont rapport avec l'investigation dans le secteur justice là, j'ai eu à te choisir. Ils ont gagné dans chaque catégorie. Cause détention préventive prolongée, les soldats des Nations Unies ont été quittés. C'est quelques parmi les reportages pour style ont été présentés dans le cadre de concours ça. J'ai eu à saluer le travail participant yo et puis encourager yo continuer le travail pour aider dans la construction d'un appareil justice qui est pédiant. Le journalisme d'investigation est essentiel au fonctionnement de la démocratie saine. Cela contribue à une société stable. Les États-Unis, de l'année 1958 jusqu'à 1970, avec beaucoup de parties qui faisaient sur la Watergate, jusque maintenant, pour vous bénir, nous avons les journalistes d'investigation. Peut-être que nous avons plus de journalistes d'investigation pour ces outils que ce que notre type exige. Ce que j'ai appris moi-même, dans cette profession, c'est que en accumulant des données, en accumulant des informations, en enrichissant vos carnets d'adresses aujourd'hui, vos téléphones de contact, mais ça vous donne une spécialisation. Et ça vous donne aussi du respect au sein de votre rédaction. Si vous êtes un journaliste toutiste, vous couvrez tous les sujets,
Vous êtes un jour dans l'économie, un autre jour dans les sports, un autre jour dans l'environnement, un autre jour dans la... Vous n'êtes pas journaliste. Je vais dire un mot méchant, vous êtes journaleux. Parce que vous êtes au quotidien, vous travaillez chaque jour. Mais quand vous avez une spécialisation, on vous respecte plus. Et vous travaillez au-delà de la rédaction qui vous emploie aujourd'hui, qui vous paye aujourd'hui. Parce que le jour où vous allez décider de partir avec cette spécialisation, vous allez trouver un autre travail à faire. Gagnant différentes catégories concours, salier des matchs là, qui permettent de mettre compétences en valeur. Vous pour mettre documents, vous produits, vous dans le service quel que soit, c'était cap travail pour avancement système justice là. C'est ton texte qui t'est parlé, on travaille d'enquête qui parlait de monde qui pas diplômé du tout, qui pas aucun diplôme qui a rapport avec la justice, mais qui c'est des juges, qui dans le système non, qui nommé, qui a touché l'argent de l'État en même temps, qui a rendu justice by justiciable. Donc, nous trouvons que c'est un sujet qui était assez inquiétant, inquiétant pour nous-mêmes comme justiciables, nous-mêmes comme journalistes, qui n'a pas aucune garantie, je dis à l'État de capacité pour dire que les gens qui sont dans le tribunal là sont juges livrés, sont gens qui non seulement ont étudié, qui sont diplômés, que l'État certifié et que les bas professeurs dans le tribunal. C'est un reportage que j'ai réalisé sur viol qui est dans la commune Thomasique. Donc, nous sommes allés dans la commune Thomasique qui est située à 2 heures de route de la commune Inch. Un document comme ça est capable d'utile parce que je suis bien content que le responsable CSP. Et on dit que il y a 4 juges de paix dans la commune Thomasique. On va demander pour évoquer, on va pas faire des propositions, mais on pense que ça capable en fait c'est bio des éléments d'information par rapport ensemble avec des séries de barrières qui n'ont pas au courant que journaliste en lui-même travaille, il présente bio, il joue un produit côté que on analyser le bio. Ouais, est-ce que effectivement juste ça mérité et bah justice dans zone ça. Moi même mon travail sur un sujet qui était assez difficile. C'est les enfants délaissés par les soldats de la MINUSSA ici en Haïti. Donc les enfants sont là, les mères, elles sont là, les parents, ou si encore les pères, test ADN monté ces soldats MINUSSA qui papa. Donc si mon saïo là a souffri, maman a souffri. Donc si quelqu'un a souffri, donc dossier avec un dossier de justice. Gain maître Mario Joseph qui a travaillé sur question, hein? C'est comment que l'État haïtien est capable de permettre que même Jean-Paul Dossier choléra ait avancé qu'a fait. Comment nous sommes capables de porter le dossier soit dans la presse, mettre dans l'opinion publique là, permettre que mon société a connu, gain d'être Simon qui a souffri par rapport avec papa qui a laissé au maman et papa qui a rien. Comment Simon est capable de bénéficier de sa papa qui a gain? C'est deuxième édition concours ça, après ça qui était réalisé, dans le mois de septembre 2017 passé. Il fait partie du projet JSSP à exécuter avec financement Agence américaine pour développement international, USAID. L'autre dossier, député circonscription AKEA, Pierre Fekir Julien, dénoncé climat insécurité, lui dit qu'à faire ravage dans la commune. Député Pierre Fekir Julien déploré l'enmo à balle des citoyens, bandit à examen tatoué dans l'état civil AKEA samedi passé. Député a demandé pour la police renforcer sécurité dans la cité drapeau, yon façon pour croiser action nègre examen capsimé d'œil dans la commune. N'a qu'à suivre, yon extrait dans le micro 5 croix paquet. Samedi dernier, il y a eu un accident dans la zone Lully et dans la zone Mirot. Eh bien, il y a eu environ 8 cadavres et des blessés. Ça, c'est une sécurité routière. Mais hier samedi, ça a été plus grave. Dans la gang qui a fonctionné à la carrière, un groupe d'hommes armés qui est entré dans un bureau public, qui est l'état civil, ils font une fusillade, ils ont tiré un monsieur qui est un baron très connu. Et dans le bureau de service, ils ont tiré Réginal et ils ont allé paisiblement. Et c'est à la fin, les absorti qui étaient ville, que la police poursuivit, ils ont eu un bandit qui est tombé. Ils n'ont pas qu'à identifier qui est le soutien. Nous dénonçons Zaksa parce que je dis pas seulement vol qui fait dans les marchés qui répétait trop souvent, ou bien monsieur qui grossissio qui souvent victime de zak insécurité bandissaio, mais maintenant c'est dans les bureaux publics. Audience dans le cas d'assises d'un criminel avec assistance juridique a appris à poursuivre dans le tribunal de première instance Port-au-Prince. Dans un tribunal là, M. Bernard Saint-Ville expliquait les dispositions nécessaires déjà prises pour faciliter bon déroulement audience saio. Dans qui tout suivi, on contredit à Rachel Saint-Fort. C'est environ une trentaine de dossiers qui en état pour recevoir jugement dans le cadre de déroulement audience criminelle avec assistant jury d'après explication doyen tribunal première instance Port-au-Prince, M. Bernard Saint-Ville.
3 cas, c'est quantité d'audience criminelle responsable pour pouvoir faire chaque jour. Il y a une façon pour arriver à atteindre l'objectif pour finir avec dossier criminel avec assistant jury. Il y a beaucoup de temps. Nous avons dit semaine ça, session criminelle avec assistant du jury. Tout a commencé, comme de fait, tu as commencé depuis hier. Nous avons prévu attendre 3 cas, mais il y a un problème. Nous n'avons pas de cas attendre. Mon deuxième qui a commencé, il est obligé. Ordonner une mesure d'instruction, ça veut dire la continuer tant de lundi. Mais il y a une qui finit quand même hier soir par une condamnation. Il est condamné à 9 ans de travaux forcés parce qu'il estimait qu'il était touillé. Il y a un monde. Je veux dire, là, on a continué. Tant qu'on déprévoit, on déprévoit 3 audiences criminelles avec jury. Il y a composé jury et tous les 3 audiences. Donc, on a démarré là. Le dîner va avancer selon prévision qu'on a fait avec toi au justice criminel par jour. Assassinat et infanticide parricide, c'est quel cas la loi qualifiée qui doit traiter dans l'audience criminelle avec assistant Jirio selon doyen. Et puis on parle de crimes de sang, c'est 4 cas que la loi prévoit, c'est meurtre, c'est assassinat, c'est infanticide, c'est parricide. Dans tout autre cas, la loi qualifiée de crime, c'est sans jury tribunal, attendez. Ça veut dire, par exemple, voilà mes armées, voilà avec effraction, voilà avec escalade, enlèvement, suivi de séquestration, contravention, faux, association de malfaiteurs, tout cas ça, yo, c'est sans jury. Mais cas qui est avec jury, c'est monde là, tout le monde. Par exemple, meurtre, monde qui tout le monde. Assassinat, c'est monde qui tout le monde, tout, mais il y a des circonstances aggravantes. C'est-à-dire, la préméditation ou le guet-apens. Session criminelle avec assistant jury qui était démarré lundi 30 juillet 2018 là à bout 10 août 2018 là. Maître Bernard Saint-Ville fait qu'on est pendant audience à dérouler, il a fait amélioration côté de Fell, corriger erreur pour faciliter bon déroulement audience. Merci Rachel et Chéri. Eh bien, amis téléspectateurs, c'est le moment pour nous observer un coup de pause dans le journal là. Pas déplacé, n'a pas tourné dans un petit moment. Ministère de l'Éducation nationale a tout partenaire yo fait mettre campagne un programme qui relait l'école zami l'hygiène. Mes critères yo l'école doit respecter pour l'état reconnaître li c'est l'école zami l'hygiène. Faut que la cour l'école là bien clôturée, toujours propre et puis tout faut bien poubelle dans la cour ak en dans salle classe. L'école là doit gain plusieurs toilettes bien propres. Toilette grand monde doit pas. Toilette ti fille doit séparer ak toilette ti garçon. L'école là doit gain de l'eau ak savon pour laver main ak de l'eau traitée pour élèves yo boue. Faut gain séance formation sur l'hygiène pour ti moun yo au moins une fois par semaine. L'école là doit gagner tout yon clip santé kap veye sou propreté en dans l'école là et puis tout réaliser au moins yon activité santé chaque année dans communauté. On mette bon gen qualité service hygiène dans l'école yo pour l'autre bon gen qualité l'école pour tout ti moun. Programme certification l'école zami l'hygiène c'est d'abord réalisé en partenariat avec Dinepa, MSPP, FAES, UNICEF. Merci pour fidélité ou attention. Nous retournons pour deuxième partie journal là. Et dans le pays l'autre bord de l'eau, président américain Donald Trump dit qu'il paraît pour chita parler avec le président iranien Hassan Rouhani, même s'il paraît pour poser conditions. Il y a une décision qui vient après les films mettaient en bout dans l'accord sur nucléaire en deux pays saillants. Nous allons quitter suivre un reportage avec Betty Raphaël. Deux mois après, il était dénoncé l'accord sur nucléaire iranien. Président américain Donald Trump dit qu'il paraît pour le rencontrer Tokay iranien Hassan Rouhani. Chef l'État américain en Vlechita avec président Rouhani, mais sous condition. Cependant, il déclare qu'il finit avec l'accord iranien. D'après secrétaire d'État américain Mike Pompeo, sanctions ont été levées contre Téhéran si iranien a fait changement fondamental dans ce qui est en ouais avec Douamoun et question nucléaire. D'après entourage dit, président américain a demandé en 8 fois une réunion concernant le même moment avec l'Assemblée générale des Nations Unies. Un épisode passé, ça n'a pas déjà abouti. L'actualité sportive, la Coupe du Monde Division Guingamp, dans un test match qui était disputé hier en Bretagne, dans le pays de la France. Makola, qui s'est entraîné Grenadier, il y a quelques explications sur le match. Ça. Et puis à l'étranger, dans le football, Manchester United bat Real Madrid, Ayemadia, dans le cadre international Champion Cup, qui a déroulé dans la ville Miami.
président de la République, la Jovenel Moïse, visité la direction générale de la police nationale, là, je m'a dit 31 juillet, dans le quartier général institution dans Pétionville. Chef l'État a renouvelé détermination pour accompagner l'état-major police, là, dans le fond l'affaire pour faire remplir mission comme ça doit. Président Chambre députée à Gary Bodo, encourager président de la République là, pour avancer accéder aux consultations et une idée pour choisir un nouveau premier ministre avant longtemps. Président américain Donald Trump dit lui parler pour rencontrer Tokaya iranien Hassan Rouhani après l'été filmé en bout dans un accord sur nucléaire en deux pays. Et bien voilà, je n'ai l'arrivé dans le bout de mais avant nous aller, nous avons demandé à Delis Carolf Bernardin pour lui passer équiper passeport dans TNH dans Delma 33. Passeport ça qui était perdu disponible dans réception TNH là. Delis Carolf Bernardin, c'est non mettre passeport ça. Et bien les amis téléspectateurs, merci pour fidélité ou attention, nous invitons à rester branchés Télévision Nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Bon après-midi tout le monde.